Buenos días a todos. Esta presentación la vamos a dividir en dos partes. La primera. Divided our presentation into two parts. We're going to start in Spanish. I will start in Spanish. I will be describing, and then the second part will be in French with simultaneous interpretation into Spanish for that. We will be talking about the Urbieta wreck. And then Eric Reef, as I said, will be in charge of the second part of this presentation. He will tell us about the architectonic or architectural analysis of the wreck. Un pequeño homenaje a Robert Renier, and we want this to be a tribute to Robert Renier. El hombre de Red Bay. He's not here, but we have to mention this Bien. Red Bay man, as we often call him, or this San Juan, Saint Para John, no, Saint John's repetir, man. Durante toda la exposición, los nombres de los so, de I'm las, not de going to talk de las diferentes partes del, del, too del much estudio. About the different queríamos, people who have been in charge perdón, of this piece of research. Queríamos presentar de, en un cuadro general, but I think bueno, acknowledgements are due. So here they are. The list of people and organizations who have helped this with this project. Excavation with Luis Valdés and myself and José Manuel Martel Luque. La investigación naval a cargo de Eric Reef. Naval research by Eric Reef. Sería a cargo, pues, illustrations de, and drawings de personas vinculadas al centro by de arqueología a number of people at the underwater Lisboa, Portuguese underwater center, our underwater archaeology center in Lisbon, Francisco Alves, led by hijo, Francisco Alves. Joe Alves, his son, is here Aureli, with us. Aureli Montaigne, en su momento, together with Miguel Aleluya and also Aureli Montaña, Eric Reeves' student helped them with that. Corrieron a cargo the models were made by Eric Reeves and Mark Ginisty, bueno, pues, que who is a naval architect and is a true expert in drawings, illustrations and designs of both ancient and modern ships. The conservation and treatment led by Anna Jover, Katharina Ager and Tecnalia here in the Basque Country. The restitution of shapes led by Albaola and of course, la, Xavier Agote. La museografía o la puesta en la puesta en vamos a decir en valor de, museográfico del, del, then, del propio the del propio pecio. Museum. Xavier Agote y el equipo de Albaola. Los análisis de musgos que side of things como and transport has been led by Albaola and Xavier Agote once again. The study of the moss, the different types of moss that were found, was led by Bacheras and Marta Infante, and then the coordination and of the project, well, I've been in charge of that. So let's go back to 1998. That was the time when some building work was being done, well, in fact, to improve the water supply to the town of Guernica. Que estaba haciendo las, at that time, los trabajos the de, digger de escollerado de márgenes del, that del propio, was working de los propios afluentes on the margins of the tributaries, de la Ría Guernica, rivers that flow into the Guernica river mouth. En el afluente de Colaco, well, in fact, pues fact, it was the Colaco stream. Una serie de, that was the place. And that's where they found some pieces of wood, some planks that were finally the first remains that were found for the Urnieta wreck.
So both the provincial government of Guipúzcoa and the Council of Urnieta together made a difficult decision. They decided the building work had to be stopped, and they decided an emergency intervention was due, so-called. Bueno, pues un programa muy cerrado, un presupuesto muy exiguo y una cantidad de problemas enormes, which means bad news for us. It means very little time, everything in a hurry, very little money, a lot of pressure. Bien, como el hallazgo fue a 4 metros de profundidad. So, the wreck was found at a depth of 4 meters and under the water sheet of the Colaco stream. Había que llegar a esa profundidad, lo cual quería decir también pues que estábamos bajo el hielo. An added difficulty because we were under the water table level, which made our life harder. So what we decided is that the stream had to be blocked and diverted, so we could work at the site. You can imagine that caused trouble, bureaucratic difficulties. But it was the right thing to do for us to be able to work directly at the site. Claro está que with greater ease. Que como podéis pensar y como nos recordaba Newport, you can probably imagine, and particularly pues está, after yesterday's presentation about the Newport medieval ship, the wreck de fango. Was sitting on mud, a very deep layer of mud. The deeper we dug, the softer the mud, which meant that we had to secure the site, we had to design a number of floating, shall we say, structures so that we could move around and get access. And then you know that the Basque Country is not a particularly sunny place, right? But we did have some days of sunshine, which meant that we had to cover the site and shade it so the remains of wood would not be further damaged by sunlight. Retroexcavadora, perdón. Then we actually used the retro excavator, the digger that originally found the site, removing the top layers, getting to the actual site, where, as I said, because of the mud, para poder relocalizar mobility and access became harder. That's when we started designing the digging plan. Al final de la excavación, bueno, pues nos daba la planta del propio pecio. So at the end donde of that stage, we could see the site almost whole, the wreck, sorry, almost whole. It's only this area here that was not preserved properly because that's where the digger originally found the first pieces of wood, which is bad news because we lost that part and all of that information, but at the same time, fantastic news because it allowed us to find it in the first place. So, el fondo, como veis, está prácticamente inundado. You can see how the whole site is practically waterlogged. Bueno, con esto ya se daba prácticamente finalizada la excavación. We had to pump water out all the time. Del propio barco. So by the end of the excavation, we had to dismantle, disassemble. Pero desguazado el barco. Y sacadas the different parts, pieza por pieza al exterior. Pero sin embargo, one by one, nos encontramos ante disassembling el inconveniente each individual en ese sentido,
part. De que el cosido de las and tracas the element. What we found at that time was a new difficulty. Estaba conseguido a base, the joining a base of the boards de clavos, multitud had been de clavos done de hierro, with separados iron nails, casos, unos de otros, a huge amount of iron nails, very close together, practically sewing the planks. Era perfecta, lo cual because they were a tener que iron esa nails and because they had been preserved in beautiful condition, mint condition almost, we had to first remove the nails so that nocivo para el propio yacimiento, para el propio barco. We could have taken the nails out or sawn them, cut them, in fact, but we thought it would be too invasive because of the nails and also because of the damage we could do to the wood, to the planks. So what was the alternative? We thought of different possibilities for the disassembly of the different elements. La recopilación y la recuperación del barco, o qué hacer. Bueno, pues la única solución que había era shall we continue with the disassembly or not? Well, we decided that was not going to be practical because of all the nails, as I said. The other possibility was taking the wreck out as a block, a whole, which was going to be more time-consuming. It was going to need more funding from the public institutions. We were going to have to apply for longer deadlines. More and more difficulties. So this huge amount of iron nails had very broad, very large heads. Then the square backing y el reviro va al interior en 90 grados después de riveted de atravesar almost la arandela romboidal. After going through the trapeze-shaped washer. And yesterday we listened about Newport, and it was said how, well, we saw also on the pictures rather, how there were certain ownership o de foundry marks deterioro under de, the head. De la herramienta que, well, we're not sure if that's the case for our wreck, or it might be that it was marks left in the production la misma process working on the anvils. But the fact is that these marks bueno, were identical in many of del, these de tener soft iron el barco en su nails. Bueno, pues, so, as I said, the decision was finally made to, con nueva tecnología, take the whole wreck obligó, pues, out el terreno considerablemente block por debajo as a whole, de la quilla del barco, para poder lowering el barco a base the level sobre, of the site around del, de la wreck, cama. So we could sort of cut that bed of not earth but mud in this case, and then just lift, plano de just de lift de lado a lado the wreck. Para hacer que una vez the idea was having una de corte, drilling system with different drilling tubes. And I should mention at this point. ¿Qué es lo que se corta? ¿Y a qué distancia se corta? Explain, se corta el fango, pero no se corta because we had to cut into the mud. Y los posibles daños but we also had no to try and avoid cutting into barco, elements pues,
or objects, whatever, that might be sitting under the wreck. So we couldn't just cut straight after the lower part of the wreck, but further down, maybe 40 centimeters below it. So we ended up with this jelly or creme caramel texture wreck sitting on a very wobbly base at the end of it. I hope you can see it properly. Those are the reinforcements we did, some kind of belt. Hubo que enfunchar para que no those se 40, 50, 60 centimeters of mud all around and below the wreck had to be made more stable because it was very wobbly. So we had this belt, this strapping system. La potencia de la grúa necesaria, and then have a very powerful lifting system. Efectivamente, hubo ningún problema. Salió con you see the crane here? No hubo esas roturas que it was far too powerful. In fact, that was the idea so that we wouldn't have like a sudden jolt. And it might just crumble if that had happened. So that's how we finally took the wreck to the area where we would start working on it. First, we built this cage so we could surround the wreck and somehow keep it together, and so that we could then dip it into the bath of polyethylene glycol. So the whole treatment process took almost 3 years. The treatment and conservation process. So for that period of time, the wreck had to be kept as stable as possible, which is not a simple matter for that length of time. So we decided to do, firstly, just in case something did crumble away, we would do all the recording of information of the wreck. Or artifacts inside the old vessel and around it. Many of these artifacts were found around the wreck. We built this transparent surface flooring or ceiling. Depends how you look at it. With a laser system. So we could record the findings working from above the wreck at that stage. We did copying, drawings, illustrations, pictures were taken, the usual state of affairs. And as a result of that, at the end of that stage, we finally ended up with the hypothetical, our hypothetical drawings of the ship. Eric Reith was basic for that. So we could then understand the waterline de comportamiento for the ship, para la reconstitución de las formas, which is very, very important to then reconstruct all the different shapes and areas. La cama definitiva, and so we could finally end up with the definitive
bed for the wreck. During the visit to Alba Ola, I don't know if this reminds you at all. Oh, well, this looks familiar. This is what Alba Ola looks like at that time in the past, showing that craning system which was fundamental, so we could lift the wreck inside the cage we had built around it. Y bajar la jaula con su contenido en cualquier raising momento, the cage, trabajar lowering it as lado, needed. Y aquí está. Can you see? Lo que there. Es el chasis, la the estructura frame, the sustentante structure del, de la forma expositiva final en el museo. Es decir, of, esa estructura what was finally está diseñada how it was going to be showcased at the museum. En el propio museo. What I mean is that the cage we used bien, at the workshop jaula, was designed so it could then at least partly be used se fue poco a at poco, the museum. Pues, despojando de los elementos so, que no, little by little, ajenos al propio pecio, y we started discarding pequeñas, and removing all the different elements that didn't have anything to do with the wreck, with the de agua, frames, que as de you la can línea see, checking that they coincided with the water lines finalmente, that we had calculated. Una vez recordadas las formas, so, muchas de las formas hay que decir after que recording pues las, the shapes, las cuadernas, sobre todo, los genoles logically, muy bien, both the tracas, frames and particularly the photos, las formas del propio barco. Well, we were very, very fortunate that they had been kept lado, in very la good zona, shape. Vamos a decir plana, el plan de Varengas y el y lo que puede ser casi el codaste. So bueno, really, hay una in between muy, muy, the stern post clara, and the floor timbers, the floor timber area, y poner en la vertical. We found a crack and we, in the end, managed después de eso, to se le dio, sit se le empezó a everything dar la forma in place, que pensábamos que en el museo podía ser más representativa y más photos, expositiva para el público. The, es decir, dotarle de una serie de líneas de agua planks, bueno, algo parecido a Roskilde o a otros casos. Very parecido. Much like it was done in Roskilde, I believe he said. O al asistente al museo, que bueno, que nos diese la forma, porque claro, no estaba el barco entero tampoco, estaba in fact, we got in touch with them, with that team. Entonces hay muchas partes que son and asked them for help with this vacías, y entonces part, hay que, para rellenar this side ese volumen, of things. Era it was important, oportuno, what I mean to say is that we had to fill in the volumes and the gaps, but always getting first the lines right. Acaba el proyecto. The project finished like this. This is the final exhibition in the Naval Museum in Bilbao, and then later on in the Archaeology Museum in Bilbao as well. And that's all for me. This is the end of my part of the presentation. I hand the floor over to Erik Rieth. Bien, je vais commencer donc par décrire les différents éléments du bateau, en commençant par la charpente axiale, et donc principalement conserver la quille et la partie inférieure du bordé. Avant le prélèvement des vestiges que vient de décrire Manu, la longueur totale donc, de la quille en hêtre a été évaluée donc, à 8,45 m, et cette dimension correspond, comme on le verra ultérieurement, à la dimension d'origine de ce pièce majeure de la charpente axiale du bateau. En section transversale, la quille est dotée donc d'une forme
trapézoïdale, très particulière. La largeur supérieure, en effet, évolue d'environ 16-17 cm de large au milieu du bateau, donc au niveau du maître-couple, à seulement 10 cm au niveau de l'extrémité arrière. En revanche, la largeur inférieure reste stable tout au long de la longueur de la quille. Cette largeur est de l'ordre de 14 cm. Les deux faces latérales de la quille sont dotées d'une rablure, c'est-à-dire donc d'une entaille très basse, qui est localisée à 4 cm seulement de la face inférieure de la quille. Compte tenu donc de la position des deux galbords dans la rablure et de la forme plate de la coque dans la partie centrale, les deux premières virures du bordé, donc les deux ribords, viennent s'assembler au galbord selon un angle très proche de 80 degrés. Et très logiquement, bien évidemment, cet angle va se réduire vers l'extrémité arrière de la coque. Une disposition des rablures et de la morphologie de la quille, analogue à celle de l'épave d'Ubiarta, se retrouve en particulier dans deux épaves sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. L'épave donc du milieu du XVe siècle de l'Abervrac I, en Bretagne française, et l'épave de Newport que Toby nous a présentée hier. Cette morphologie très particulière des rablures tend donc à intégrer les galbords et les ribords, c'est-à-dire les éléments inférieurs du bordé à la quille, et à former une sorte de poutre creuse hein, en termes de mécanique structurale. Et on retrouve là, au fond, un concept architectural à travers la quille de l'épave du San Juan. À la seule différence, c'est que dans l'épave du San Juan, le galbord est directement sculpté dans la quille. Le choix du hêtre pour la quille de l'embarcation d'Ubiarta n'est pas un choix isolé. Plusieurs épaves possèdent aussi une quille en hêtre. C'est le cas donc de cette épave en Bretagne, de l'épave de l'Abervrac I, qui est datée donc du XVe siècle, première moitié, milieu XVe siècle, et dont le lieu de construction, malheureusement, demeure encore inconnu, malgré deux campagnes d'analyse dendrochronologique, même si l'hypothèse relativement cohérente d'une origine soit de la région Aquitaine, soit du nord de la péninsule ibérique a été avancée sans que, cependant, des arguments scientifiques déterminants aient été présentés. Une deuxième épave est celle que Toby nous a présentée hier, bien sûr, qui est celle de ce grand navire à clin de Newport, et dont là, l'origine de la construction au Pays Basque a été donc remarquablement démontrée par les analyses archéologiques. Et enfin, bien entendu, il y a une troisième épave qui est la plus symbolique de cette architecture navale basque, c'est celle du baleinier de Red Bay, où là encore, la quille est en hêtre. Alors, je voudrais revenir un instant sur ce problème de la quille en hêtre, parce qu'elle a été parfois considérée comme une sorte de signature architecturale des chantiers navals basques de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Or, lorsque l'on regarde les sources historiques, et en particulier les sources archivistiques, on s'aperçoit que le long du grand arc atlantique, donc du nord de la péninsule ibérique jusqu'aux côtes de la Manche et de la mer du Nord, il y a d'autres zones où le hêtre a été utilisé pour la réalisation des quilles. Je
pense en particulier à une étude qui a été menée par une élève de l'école des Chartes, Anne Girardot, dans sa thèse, qui a étudié les archives notariales, donc le tabillonnage du milieu du XVIe siècle et de la fin du XVIe siècle de Rouen, Honfleur, donc en Normandie. Et l'étude qu'elle a menée des devis de construction et de réparation de navires destinés à la grande pêche à Terre-Neuve a montré systématiquement que ces navires étaient construits avec des quilles en hêtre. Et l'une des raisons, dans le cas de la Normandie et probablement aussi dans le cas du Pays Basque, et de ce choix du hêtre est liée à l'existence, à proximité de ces chantiers navals, de forêts de hêtre suffisamment abondantes et de hêtre de grande qualité pour réaliser ces quilles. La pièce d'extrémité, donc, assemblée à la quille, a été identifié comme l'étambot en fonction notamment de l'écart de l'orientation des écarts en sifflet entre les bordages à clin d'une même verrue. Et ce présumé étambot en chêne, qui est préservé sur une longueur totale de près de 1 mètre, possède un profil convexe, et une rablure dans laquelle vient donc s'assembler les extrémités des virures à clin. Cet étambot est assemblé à l'extrémité de la quille au moyen d'un écart vertical en sifflet, que vous voyez ici et ici de l'autre côté. Et la partie supérieure de l'étambot, qui n'est pas conservée, possédait une ferrure en U qui devait probablement correspondre à une pièce d'articulation d'un gouvernail axial, qui n'a pas été retrouvée. Pour autant, l'existence de ce probable gouvernail axial d'étambot n'exclut pas l'utilisation également d'un aviron de gouverne qui laisse très peu, bien entendu, de traces archéologiques. Le bordé à clin se compose donc de bordages en chêne dont la largeur moyenne est comprise entre 17,5 cm et 21 cm. La longueur des bordages, et c'est peut-être la caractéristique la plus importante, est relativement réduite puisque la moyenne se situe entre 1,10 m et 1,45 m pour les bordages qui ont été intégralement conservés. Alors, cette valeur moyenne apparaît certes peu importante, même pour une coque d'une dizaine de mètres de long, mais n'oublions pas que, comme l'a montré également hier Toby, on retrouve des longueurs de virures de bordage relativement également courtes dans la construction du grand bateau de Newport. Donc la question qui se pose, et on se l'est posé à propos de l'épave d'Ubierta, c'est des raisons de ces bordages de longueur réduite, qui peut être liée alors soit à des difficultés d'approvisionnement du chantier en bois droit de chêne, soit à un choix économique de réduire les coûts de construction en employant des bois de faible longueur, soit à une nécessité de réparer intensivement une côte usagée, soit enfin, dernière hypothèse, cette utilisation de bordages relativement courts peut résulter aussi de méthodes particulières de gestion forestière en rapport avec des demandes de chantier naval ou des conditions environnementales particulières au territoire basque qui conditionneraient en quelque sorte le recours à des bois droits de longueur peu importante.
L'épaisseur moyenne de ces planches, de ces bordages, donc à clin, est de l'ordre de 2 cm. Et selon la technique classique du bordé à clin, chaque bordage est assemblé au bordage précédent avec des rivets en fer, donc à tête ronde, tige carrée, enfoncée à partir de la face externe du bordé. Et au niveau de la face interne du bordé, la pointe des rivets passant à travers une plaque en fer quadrangulaire est rabattue donc à angle droit. Une dernière caractéristique de ce bordé est à noter, c'est que l'analyse d'un enduit du type résine qui recouvrait deux fragments de membrure a mis en évidence la présence dans cet enduit de 8 espèces différentes de mousse qui très probablement provenaient du matériau d'étanchéité disposé au niveau de la surface de recouvrement des bordages à clin, selon, alors là, les données archéologiques ne permettent pas de le mettre en évidence, soit la technique du lutage, c'est-à-dire qu'on met le matériau d'étanchéité en place au fur et à mesure de l'élévation du bordé, soit selon la technique du calfatage, où là, on met en place donc ce matériau d'étanchéité une fois le bordé monté. Ce qui est important à souligner, c'est que ces mousses sont caractéristiques d'espèces propres au climat atlantique de l'Europe de l'Ouest et du Nord, et pour certaines d'entre elles, du nord de la péninsule ibérique. Toute la question est de savoir si ce matériau d'étanchéité des joints date de la construction du bateau ou provient d'une réparation, sachant que, effectivement, au cours de l'existence d'une embarcation, il est nécessaire de remplacer relativement régulièrement le matériau d'étanchéité. Les membrures, à présent, la charpente transversale, chaque membrure en chaîne se compose donc de trois éléments taillés dans le fil du bois, dont la courbure, plus ou moins prononcée, apparaît naturelle. D'une part, donc, une varangue en partie basse, et d'autre part, une allonge de part et d'autre de cette varangue. Varangue et allonge sont assemblées entre elles et constituent donc un ensemble structurellement très cohérent. Le point important à noter, c'est que la maille, c'est-à-dire l'intervalle séparant deux membrures, est certes relativement irrégulière, puisqu'elle se situe entre 35 et 48 cm, avec une moyenne de l'ordre de 37 cm. C'est-à-dire, et c'est là le point peut-être le plus intéressant, au fond, une maille qui est assez proche de celle du navire de Newport. Or, lorsque l'on compare pour des dimensions similaire à l'embarcation d'Ubierta, cette maille moyenne de l'ordre de 37 cm avec des embarcations de tradition à clin mais d'origine nordique, on constate que la maille des embarcations nordiques est beaucoup plus importante puisqu'elle se situe entre 80 cm et 1 mètre et que par conséquent cette différence de maille est significative dans le cas de l'épave d'Ubierta d'un choix architectural, d'un choix technique donc de renforcer la structure transversale du bateau et d'un choix donc de privilégier désormais la charpente transversale, les membrures dans la conception générale du bateau. L'épaisseur donc les dimensions rapidement de ces membrures, la largeur donc varie entre 12 et 13,5 cm. L'une de ces caractéristiques, c'est donc la présence dans la partie centrale des membrures
d'un trou d'anguillé, c'est-à-dire d'un orifice quadrangulaire de 5 cm environ de côté qui permet la circulation des eaux accumulées dans le fond du bateau. Deux types de varangues, donc soit des varangues plates dans la partie centrale du bateau, soit des fourcas dans la partie arrière. Ces éléments de membrure, aussi bien varangues que allonges, sont assemblés au bordé au moyen donc de gournables, c'est-à-dire donc de chevilles en bois. Les allonges sont assemblées aux varangues, comme on le voit par un système donc de joints en sifflet, avec par conséquent une fixation au moyen de gournables, et on retrouve là un type d'assemblage bien attesté, par exemple, dans l'épave de l'Abervrac. La seule différence, c'est que dans l'épave de l'Abervrac, bien évidemment, aussi bien l'échantillon que les dimensions de ces membrures sont différentes. Mais le principe d'assemblage est exactement identique. Une autre caractéristique importante de cette épave d'Ubiarta est la serre, c'est-à-dire cette pièce qui constitue une ceinture supérieure du haut de du bordé, ce plat-bord, pardon, excusez-moi, en forme de L, qui est fixé par un clou enfoncé de l'intérieur à travers toute l'épaisseur de la pièce, et en tout point similaire à ce plat-bord de la chaloupa de Red Bay. Et donc là, on a probablement une caractéristique qui peut être identifiée comme une authentique signature architecturale des chantiers navals basques. Au terme donc de cette rapide description des caractéristiques principales de l'épave d'Ubiarta, on constate d'une manière évidente que les données archéologiques sont très révélatrices d'une architecture donc à clin qui repose sur un principe de conception à la fois de forme et de structure sur bordé, c'est-à-dire c'est bien donc le bordé, les virures, une perspective géométrique longitudinale, hein, selon un mot, une expression de Dick Steffi, qui constitue donc l'assise de toute la conception architecturale du bateau, avec toutefois au niveau de la charpente intérieure une tendance à privilégier au niveau de la méthode de construction cette charpente transversale. Quelques mots à présent pour situer cette épave d'Ubiarta dans l'histoire de l'architecture navale à clin du contexte atlantique. Ce n'est, faut-il le rappeler, qu'à partir des 11e, 12e siècles que les sources historiques, les sources écrites et les sources iconographiques fournissent des données permettant de caractériser l'architecture de cette région maritime, donc du golfe de Gascogne. Et tous les documents de cette période, on a ici un sceau célèbre, hein, qui est le sceau de la ville Saint-Sébastien, du milieu du XIVe siècle. En tout cas, tous les documents de cette période, ici la clé de voûte de la cathédrale de Bayonne, tous les documents de cette période indiquent
que la méthode de construction à clin apparaît comme celle usuellement pratiquée dans les chantiers navals basques, que ce soit pour des petites embarcations ou pour des grandes naves comme celles représentées soit dans le sceau de Saint-Sébastien, soit dans la clé de voûte de la cathédrale de Bayonne. À partir du XIIIe siècle et donc jusqu'à la fin du XVe siècle, cette architecture à clin apparaît bien vraiment représentée, toute le fond de la culture technique propre au chantier naval basque. S'agissant des découvertes d'épaves à clin dans le contexte ibérique, hier, José Luis a montré donc un certain nombre de documents à clin. Et il faut rappeler aussi qu'au Portugal, plusieurs éléments d'architecturaux malheureusement isolés, soit des membrures, soit des bordages à clin, datés des 10e, 11e siècle d'une part et 14e, 15e siècle d'autre part, ont été trouvés sur le littoral portugais, en particulier dans le nord du Portugal, au niveau de la région d'Aveiro. Donc si ces vestiges trouvés au Portugal attestent bien d'une présence le long de ce littoral de bateaux construits à clin au Moyen Âge, aucune donnée archéologique ne permet cependant de préciser l'origine de ces navires. Il faut souligner un aspect bien sûr important, c'est les liens historiques entre l'Angleterre et l'espace nautique basque au sens de ce paysage maritime culturel, tel que cette expression a été définie par Christer Westerdahl. Et dans ce contexte, dans ce paysage maritime culturel basque, il est certain que Bayonne occupait une position importante comme centre de construction navale, et les sources écrites le montrent très bien. Et cette collaboration technique avec, entre d'une part la région basque et d'autre part la région Angleterre est peut-être porteuse d'un transfert ou deux transferts au pluriel de savoir-faire. Et en tout cas, c'est poursuivi jusqu'au milieu du XVe siècle, témoignant de la renommée internationale de ces chantiers navals basques et aussi de la compétence de ces charpentiers dans la construction à clin, puisque l'on retrouve des maîtres charpentiers basques, par exemple en Angleterre au XIIIe siècle et plus tardivement encore au XVe siècle. C'est donc dans ce contexte d'une tradition architecturale à clin au long passé et aux qualités techniques reconnues bien au-delà des frontières du Pays basque que s'inscrit l'épave d'Ubierta. De cette tradition, on l'a vu, les documents basques ne fournissaient jusqu'alors qu'une vision externe à travers l'iconographie, à travers les sources écrites. Et c'est uniquement à partir de données archéologiques et à partir de ces données de l'épave d'Ubierta que la dimension anatomique, hein, pour reprendre un terme propre à l'historien de la marine français Augustin Jal, c'est donc cette dimension anatomique du bateau n'a pu apparaître qu'au travers de l'étude de l'épave d'Ubierta. Cette épave est importante dans la mesure où elle est révélatrice, elle témoigne de cette culture technique du clin propre au chantier naval basque, mais aussi elle est importante dans la mesure où sa datation, donc du milieu du XVe siècle, se trouve à un point de transition. Et l'étape suivante est celle qui est caractérisée, bien entendu, par le passage à la construction à Carvel, à la construction à Frambord, dont témoigne la chaloupa de Red Bay que nous a présenté Brad hier et que l'on a vu encore ce matin, qui relève d'une toute autre conception tant au niveau des formes que de la structure, mais qui pour autant n'a pas totalement perdu les traces de ce passé des chantiers navals basques du Moyen-Âge, puisque les deux dernières virures du bordé sont construites encore à clin.
avec ce nouveau système architectural à Carvel, qui annonce donc cette période de la Renaissance du XVIe siècle et puis ensuite de l'époque moderne. C'est donc une toute autre culture technique qui apparaît avec des savoir-faire, donc avec des savoirs aussi, et qui va s'implanter dans le milieu donc, des chantiers navals basques. Enfin, pour terminer mon propos et ne pas dépasser le temps qui m'a été imparti, je voudrais en conclusion de dire quelques mots sur la restitution donc, de ce plan d'éléforme de l'épave d'Ubierta pour montrer qu'effectivement, les données conservées ne portaient que sur une moitié pratiquement de l'épave, avec heureusement à l'extrémité arrière à droite donc une partie de les tombeaux, et que donc à travers donc l'étude menée en relation avec mon ami Marc Ginesti et aussi avec l'aide de Chabier, nous avons pu donc restituer les grandes caractéristiques de ce de cette chaloupe, donc d'une longueur hors tout, de longueur totale de 10,66 m, d'une largeur au mètre beau, vous voyez, de 2,70 m à peu près, et qui se caractérise par une capacité de charge maximale de l'ordre d'environ 5 et quelques que tonnes. Voilà donc cette restitution du plan des formes. Ce qui aurait été intéressant, mais cela nous mènerait très loin, c'est de comparer au fond deux choix architecturaux avec deux principes architecturaux, donc deux savoir-faire et deux cultures techniques différentes. À gauche, l'architecture et la culture technique médiévale du Klein. À droite, la culture technique nouvelle, en quelques guillemets, de la construction à Carvel, avec la chaloupa de Red Bay. Et il y a à la fois des points de convergence et des points différence. Enfin, nous avons essayé de restituer deux hypothèses de gréement de ce bateau de d'Ubierta, en considérant que, compte tenu de la datation du milieu du XVe siècle, c'est la voile carrée, bien entendu, qui devait être mise en avant, puisque, à ma connaissance, on ne connaît pas d'attestation de voile au tiers remontant à cette période. Je terminerai en disant que si la présentation muséographique de l'épave d'Ubierta représente l'avant-dernière étape d'un long programme commencé donc sur le terrain en 1998, et là je me tourne vers Chabi, il reste à restituer à la communauté basque une part vivante de son patrimoine maritime, qui serait celle de la construction d'une réplique archéologique de l'embarcation d'Ubierta. Cette opération, largement orientée vers le public, serait aussi un moyen remarquable de tester expérimentalement les méthodes de construction à Klein, donc bordée premier de cette embarcation, pourrait déboucher aussi sur des navigations à la rame et à la voile, conduites selon les règles de l'archéologie expérimentale, telles que, bien entendu, le musée des bateaux vikings de Roskilde nous a montré. Et ce serait, je crois, une passionnante aventure à la fois archéologique, maritime, et aussi une passionnante aventure humaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Antes de que pasemos al café, abrimos turno de preguntas, tanto de la anterior contribución como las correspondientes a esta. Brad. Brad, could you join us up here, please? Bring your headphones, if you could. Brad. ¿Alguien se anima? Yo ya tengo alguna, ¿eh?
Any questions from the floor? Otherwise, I will ask a question myself. Yo tengo una duda con respecto a I have a question about de Urbieta. Urbieta's wreck. Hay clavos de madera. Are there de wooden de nails in there? Are there tree nails in it? Okay. Creo que el orador ha dicho que sí, aunque no ha hablado al micrófono. Yo tengo una pregunta. I have a question for you. Can you hear me? I have a question for Manu and for Eric about an article, a paper that I think you published, Manu. Can you hear me all right? Ahora sí. Okay. Este, Manu, publicó, creo Manu published in Itxasogoria in a journal a paper where he states that on top of that ship, some other wooden elements were found dating from the 17th century. Can you tell us about that? 17th, I'm sorry, the sound's not very good. La verdad que no recuerdo. Can't remember it. Y era estábamos hablando del mismo barco. Are we talking about the same wreck, the same shipwreck? Yes, it was on the same site, but apparently it had nothing to do with the shipwreck as such. But it would seem that you found some wooden elements that were dated. Yes, but they were found in a different context that had nothing to do with it. In the very same stream. Yes, we found some other elements belonging to ships as well, because there was a shipbuilding activity on that site. And so, yes, there were loose parts that were found and that had nothing to do with the shipwreck. Some element and like shoes and boots, pieces of boots and nuts, etc. But you can't really link all those to the shipwreck. Yeah. Anyhow, could we say that that specific part was just a piece of wood that had reached that place naturally? Well, I'm very sorry, but I cannot answer that question. I can't remember it right now. Maybe Luke can help me. Yes, help. Please, Luke, help me. ¿Se me oye? Can you hear me? Por aportar un poquito fine, a la pregunta, just to make a small contribution to this question. The thing is that these parts were found, I wasn't there myself, but they were found during the follow-up phase. So we don't have a dating of the parts, but rather the ceramics that were found there. But they're very, parts that were found in a very raw status. And this area, in this area, as you said, Manu yourself, there was a shipbuilding activity and its parts that are cut and then need to be worked on, but that's it. I mean, it has nothing to do with Urbieta's shipwreck, and the small pieces of ceramics that were found helped us dating the remains. But probably the idea was to work on them in the shipbuilding facilities that were there. But this is just my hypothesis, right? Sí, ahora recuerdo efectivamente después de lo que ha dicho Luque. Now that I'm here with you, Luque, I remember that we found many wooden pieces, loose pieces that were very gross pieces that were probably were going to be carved later on. But there was nothing that was carved. Really, there were some marks and traces on the woods. De corte, due to the cutting activities, but it was very, very, very gross, really, very raw. Hola. Everything was very raw. Yes, good morning. Congratulations to all speakers for your presentations. That were wonderful. I would like to ask you, any of you or all of you, I would like to ask a question that I'm wondering myself. It might be silly, but wouldn't it be interesting that, moving from one construction type of construction, moving from clinker to carvel, did it happen
before in large shipbuilding facilities or for large boats? I mean, the transition from one technique to the other, was it applied first on large boats? I don't know if I made myself clear. Me adelanto. Yo creo que no. Try and answer that question. I think that was not so. I might not be right, but I don't think so. One thing that we have observed is that all small boats from the 18th century on tend to imitate larger boats. And this is something you see when, for instance, you move from sails to steam propelling systems. That's where the architecture changes significantly, and you see that smaller boats try to imitate larger boats. I don't know if what you said is true, but in terms of architecture, this is what we've remarked from the 18th century up until now. Si les traducteurs me permettent, je vais répondre en français un peu pour Eric aussi. Selon le registre archéologique, les plus anciennes attestations de cette transition vers le caravel sont dans les grands navires. Tandis que les petites embarcations montrent les vestiges ou la tradition résiduelle de Klein plus tardivement. Donc l'impression qu'on a à partir de l'archéologie, c'est que ce sont les grands navires qui ont initié cette transition vers le caravel. Quels sont les grands jalons archéologiques de cela? Il y a deux cas à Cavalaire-sur-Mer et dans le cas de Mary Rose, où on a un grand navire où la carène est à Carvel et la Castillage est à Klein. Donc ce sont dans un même navire en bois, donc la transition. C'est semblable à ce qu'on voit dans les chaloupes de Red Bay où la portion supérieure est à Klein, puis la portion inférieure à Francbord. Donc c'est l'impression qui se dégage du registre archéologique. Eric, veux-tu compléter? Juste pour dire aussi qu'on voit ça dans l'iconographie. Sur les miniatures, par exemple, du 15e siècle, on voit bien que sur les grandes... la fin du 15e siècle, on a la carène qui est à Francbord, et puis on a encore les hauts qui restent bordés à Klein. Mais c'est donc bien par, je pense, les grands navires que la mutation, alors selon des voies très compliquées, qu'on a du mal encore à restituer, hein, ce fait. Par exemple, Brad a cité la Marie Rose. Bon, est-ce qu'on a une influence de constructeurs méditerranéens? Est-ce que c'est puisqu'on sait par exemple qu'on a fait appel au début du XVIe à des constructeurs vénitiens, si j'ai bonne mémoire, à des maîtres charpentiers vénitiens, mais surtout pour construire des galets, donc des galères. Alors est-ce qu'il y a eu une influence? Bon, voilà, il y a encore beaucoup beaucoup d'interrogations. Et donc, je pense que s'il y a des réponses, elles viendront de l'archéologie. Hein, je pense que c'est vraiment l'archéologie qui nous permettra de résoudre ces questions que l'on se pose, que les historiens des techniques se posent depuis le début du XXe siècle. Hein, je pense à des... Mike Bellazus pourrait en parler mieux que moi, des historiens allemands, hein, dès le début du XXe siècle, se sont posés ces questions du passage de la construction à Carvel, etc. Quoi. Si je peux ajouter un autre élément. Des fois, on va parler de cette transition de Klein à Carvel, en parallèle avec une autre transition qui est l'apparition à la Renaissance de manuscrits qui partent de la conception
architectural des carènes. Donc ces manuscrits montrent une certaine forme de conception qu'on va des fois appeler une conception transversale, où la forme du navire est inscrite dans les membrures. Et le lien que plusieurs chercheurs ont fait, à raison ou à tort, c'est que cette conception architecturale était aussi une parallèle à une construction charpente première. Ce qui n'est pas le cas, si on comprend bien, la construction à Klein. Donc ça, c'est peut-être une association qu'on pourrait questionner. Notamment, on voit dans les carènes à Klein, on voit l'existence de ces systèmes géométriques de conception des formes. Si on enlève les encoches qui sont dans les membrures et on prend juste la forme externe, on peut voir que cette conception géométrique existe aussi dans les navires à Klein. Donc ça veut dire, pour moi, si je comprends bien cet aspect archéologique, pour moi, ça indique que la transition conceptuelle vers le Carvel est beaucoup plus ancienne et donc la rupture technologique n'est pas aussi entière et dramatique qu'on puisse penser. Je ne sais pas si tu veux commenter, Eric. Non, effectivement, mais ça serait peut-être un long débat de... Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, en tout cas, une question qui est débattue au sein de la communauté archéologique. Mais je voudrais juste dire que le fait de parler dans le cadre de la construction à Klein de l'épave d'Ubierta, donc on est dans une conception surbordé, c'est-à-dire que c'est vraiment encore une fois le bordé qui, de mon point de vue, joue le rôle premier, ne signifie pas, bien entendu, que c'est une conception comme ça, improvisée, purement basée sur le regard, sur l'œil, sur le visuel. Il y a, bien entendu, de la part des constructeurs et du bateau d'Ubierta, comme de tous les bateaux à Klein, et les Scandinaves et les travaux du grand archéologue danois ou le Krummel Petersen l'ont bien mis en évidence, il y a bien entendu toute une pensée géométrique qui n'est pas nécessairement matérialisée par des gabarits, mais qui peut être immatérielle, qui peut être purement mentale, qui existe. C'est-à-dire que un bateau comme le bateau d'Ubierta ne relève pas d'une improvisation architecturale, mais c'est bien de choix architecturaux, d'une conception, d'une pensée géométrique bien particulière. Voilà ce que je voulais peut-être dire, que c'est donc que la construction à Klein, surbordée, n'est pas synonyme d'une construction comme ça, purement improvisée, mais est bien assise sur toute une pensée géométrique, donc mettant en œuvre des savoirs et des savoir-faire. Siento ser un aguafiestas, pero esta cuestión... I have to stop you here. I find this discussion is incredibly interesting, but we now have to stop for coffee. We'll have time later on to continue with this discussion and to talk a little bit about Nao Victoria as well. Why not? Because I think that's the main reason why we're here. So let's go for a nice cup of coffee and we'll talk about this later on in the round table. Thank you.